Attends ma speaker, un coup. La musique pour moi c'est tout. Ça de mon idée, mais on fout. Mon musique compte plus que tout. Les nains me disent, moi les fous. Mais ça, mon vie, un point c'est tout. Ouh, mon vie, un point c'est tout. MC Duke upon the microphone from Réunion Island, I give them a brand new song. MC Duke. Artiste urbain de La Réunion. Depuis tout petit, je baigne dans la musique. Mon frère, mon grand frère Cédric Duchemane, c'est un pianiste et jazzman. On baigne dans la musique depuis notre temps d'enfance. Donc c'est vraiment quelque chose avec lequel on a vécu et c'est dans le sang. Et on n'arrive pas à se sortir de là, quoi. C'est comme ça. C'est pas qu'une passion, c'est pas qu'un boulot. La musique pour moi, c'est tout. C'est vraiment tout ce qui me met en joie, tout ce qui m'apporte l'émotion, qui m'apporte la rage, qui m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Ça a commencé déjà dans les sound system à l'époque, avec DJ local. 13 ans, 14 ans, on était déjà dans les sound system. J'avais pas le droit d'aller en boîte. Je pouvais pas aller me produire en boîte, mais je faisais les scènes un peu partout, les communes, tout ça. J'allais montrer mon visage, j'allais prendre le micro. Là où il y avait un open mic, j'étais présent et puis je partageais la vibe avec le monde. Ça a commencé comme ça. J'ai commencé dans le rap. J'ai essayé toutes sortes de styles de musique parce que ben, pour moi, être un musicien, c'est ça, c'est ne pas se mettre de limites et ne pas se cataloguer à un style. Le premier morceau que j'ai fait qui avait marché à l'époque, c'était un raga que j'avais fait sur la compile de DJ Skarm, 974 Fever volume 5. On n'oublie pas, hein. On ne sait qu'à nous mettre ça haut, le bip à la réunion sur le mouvement dancehall. Ça donnait un petit truc comme ça, une petite, petite vibe comme ça. En 2018, j'ai eu un heureux événement et ma petite fille qui est née. Et par la suite, j'ai dû faire une petite pause. Pour moi, c'était quelque chose que, pas que j'avais mis de côté, mais que je lui avais mis une certaine place. Et aujourd'hui, je me rends compte que elle veut reprendre sa place principale, quoi. Elle veut revenir comme quand j'étais plus jeune. Ce qui s'est passé sur les réseaux, ça m'a donné un petit coup de boost et je me suis dit, je peux plus abandonner, je peux plus rester sur la touche. C'est pas possible. Et puis maintenant, voilà, ma petite fille, elle grandit, elle a 6 ans bientôt. Donc, je crois qu'il est temps de remonter un peu sur le ring, quoi. On va tout casser cette année, je crois qu'ils vont tous caner petit à petit, la conquise disparaît, revêt de belles carrées, il faut les malamer, ils vont tous chialer en criant, putain, on aurait dû se barrer. Eh ouais, à la base, je voulais taper des barres, demande à Black M, on a galéré dans le TK, dans la fumée des bêtards, on a dû creuser les cars, oui, on a distribué des tartes, foncé la conquise, nous on fait ça, oui, depuis le départ. Ouais, ils rêvent de nous faire riches, nous on reste vrais. Ils n'ont ni l'enfance requise, ni. Je suis déchaîné, ouais, j'ai mis les gants, ils seraient légers, les mêlés, moi je n'ai plus le temps, je suis dans le vaisseau, gratte, couplé, tout en pilotant, arrête de sucer, tu le fais mal, tu as mis les dents. Récemment, j'étais en train de scroller un peu sur TikTok, et bon, quand on s'ennuie des fois, je suis tombé sur le challenge de Black M. Je me suis dit, bon, il y a un petit challenge de rap, je vais gratter un petit couplet, et puis voilà. Et je me rappelle même que j'avais mis sur Facebook, ouais, il s'est encore rappé le tonton. Pour vous dire, voilà, comme je ne prenais pas ça au sérieux, moi, j'ai fait ça pour le plaisir, par passion. Le lendemain, quand je me lève, je regarde ma page TikTok, je regarde mon freestyle, et je voyais qu'on avait déjà dépassé les 100 000 vues en moins de 24 heures. Là, j'ai parlé à mon producteur, j'ai dit, eh ben, il y a quelque chose qui se passe, et c'est en train de se passer. Et je n'avais pas vu encore que Black M avait déjà commenté. Et il était déjà dans les commentaires et tout, j'avais rien vu. J'ai rien vu arriver. En tout ce temps de carrière, j'ai jamais eu autant d'amour et je garde que du positif de ça. Franchement, j'applaudis La Réunion. Parce que si c'était pas vous, je pense pas qu'on serait allé aussi loin. Black M a choisi ses finalistes, mais c'est pas terminé. Moi, je peux pas en dire plus pour l'instant. Et puis voilà, j'espère que La Réunion sera contente. C'est pas facile de voilà de s'en sortir financièrement dans la musique aujourd'hui, on va pas se le cacher.
Mais voilà, on a fait ce qu'il fallait. Pour moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Après, bon, on passe par des galères, c'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, j'ai pris du temps, je me suis construit, j'ai créé un label aujourd'hui. Voilà, j'essaye d'aider d'autres artistes, j'essaye de donner de moi-même pour aider les autres. J'ai signé avec le label Voix d'Or Family et en distribution avec Universal Music Africa. On a un single en préparation. J'ai l'habitude de me balader de style en style, de mélodie en mélodie. Et c'est sûr que là, en ce moment, on est sur du rap. On va donner du rap aux gens qui veulent du rap. Il y en aura pour tous les styles. En attendant la sortie du single, parce qu'on ne peut pas en dire plus pour le moment, il y aura des surprises, il y aura des vidéos, il y aura des freestyles. Restez à l'affût. Restez sur les réseaux, vous êtes sur mon Insta, allez sur TikTok, abonnez-vous sur TikTok, allez voir les réseaux, Facebook et tout. Vous ne pourrez pas louper la suite.